À un moment, je suis sorti avec une meuf que j'ai rencontrée, c'était une Russe, et elle habitait en Sibérie. Donc je suis là, je prends mon vélo, j'étais à Paris, et je vais en Sibérie. Je pense que j'ai mis une semaine de vélo. Bah, enfin, j'arrive là-bas, j'ai traversé les montagnes, tout ça. Et une fois, j'arrive à 200 km de chez elle, je dis, tu sais quoi, je vais aller cueillir des fleurs pour lui offrir. Là, je suis dans la forêt, il y a un ours qui vient vers moi pour me manger. Mais vraiment, un gros ours, hein. Il doit faire genre 10 mètres de haut, et genre 20 cm ou 30 cm de large, tu vois. Et là, l'ours, il vient et me fait. Moi j'ai compris qu'il a faim, qu'il veut manger quelqu'un. Déjà les ours ils sont vicieux, c'est des, ils font des bébés aux gens. Donc j'ai fait quoi, j'ai pris un bouchon que j'ai fabriqué déjà de base d'une bouteille et je les mets dans mes fesses histoire de me protéger de l'ours. Comme ça s'il veut me faire des bébés il peut pas. J'arrive vers lui et là il se met debout comme ça pour me mordre. Et moi je fais quoi, je me baisse, esquive, double esquive, balayette. Et au moment où il veut tomber par terre, je lui donne un gros crochet comme ça. Et là il perd une dent, je l'attrape avant qu'elle tombe et je lui plante dans les yeux. Et après je l'ai pris, je l'ai déplumé et j'ai pris ses plumes pour les offrir à ma chérie. Elle s'appelait Pakista, c'était ma chérie russe. Au cas où elle me voit, je lui fais des bisous.